bienvenue dans la Bad Room. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de badminton. En fait, tout le temps en fait. Mais pas qu'aujourd'hui. Et c'est un sport. Oui, un sport pour certains. Alors ça joue avec une raquette et des volants. Alors ça joue en simple avec deux joueurs ou en double avec quatre joueurs. En Occident, il est parfois considéré comme un simple jeu d'extérieur pas vraiment fatigant. En vacances, profitant du soleil, faire des activités de plage ou de jardin entre potes, quelle joie de faire une partie de badminton. Salut, moi je fais du badminton l'été en camping avec mes potes. Réflexe ! Réflexe ! Alors il y a des gens qui trouvent ça cool de jouer toute l'année. Des clubs, des associations raviront les amateurs de badminton. Maintenant, plus de sable, plus de pelouse, juste un gymnase avec des lignes et un filet. Oui, un filet. Bah alors voilà, moi je suis un gars qui pratique du badminton en loisir, en semaine, le dimanche, avec ma famille. Ça. Et pourtant, le badminton pratiqué dans le cadre d'un club de compétiteurs est extrêmement éprouvant et tactique. Salut, je m'appelle Kevin, je fais du bad tous les week-ends, je m'entraîne 4 fois par semaine. Les techniques de frappe induisent des mouvements variés, lents, rapides ou feintés. La vitesse des coups peut aller de 3 km/h lors d'un amorti. Et à plus de 300 km/h lors d'un smash. Tiens, ton café. Merci. Alors, tu as passé ces vacances? J'ai fait un stage de badminton de perfectionnement. Je suis fatigué. Ouais, moi aussi, j'ai fait du bad cet été au camping. J'étais trop bon, ma femme a mangé la poussière. Ça dirait qu'on joue ensemble après le boulot? Ouais, grave, je ramène ce qu'il faut. Ouais, c'est bon, j'arrive. T'es prêt? Tu vois, on va ralentir un petit peu le jeu là. Non mais t'inquiète, j'étais pas prêt. Cette sensation de rien sentir quand je frappe cette balle, ce truc là, ce machin, oh, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, on va y aller. On va y retourner. Attends, on n'est pas pressé. Bon, on y va. Par contre, fais attention, hein, tu pourrais te blesser, donc essaye de calmer un petit peu le jeu là. Me blesser? Au badminton? Ça te fait qu'on commence un match? Non mais je crois que je me suis blessé. Je vais plutôt prendre l'apéro.
On trouve le nom de ce sport écrit de différentes manières. Et il y a pas mal de monde qui se fourvoie. Allez, machin, vas-y. Vas-y. Alors, que puis-je faire pour vous? Je vais faire mon certificat médical pour le sport. Bien. Voyons voir. Du badminton. C'est marrant ça. Voyons. Voilà, c'est tout bon. Voici. Il y a une petite erreur sur le... C'est bon, monsieur Grand. C'est à vous. Et David, il y a la reine qui vient de venir. On trouve des badminton, des badminton, ou encore le combo ultime, badminton. Évidemment, c'est de la connerie. La bonne orthographe est bien entendu badminton, du nom de la ville anglaise qui l'a vu naître. Non, mais trop. Pour des raisons de budget, cette scène sera complètement dépourvue de costumes et de décors, ainsi que totalement anachronique. Je sais pas pour vous, mais je trouve que le champagne et le sport vont de pair. Et voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter. Les prochaines vidéos vous feront découvrir l'univers de la compétition dans un esprit décalé. Allez, ciao les vélos.